Salut tout le monde, je suis Shaman Joe. Alors je vais répondre aux questions de notre cher Gérald. Comment est né votre projet artistique? Eh bien c'est à l'époque quand j'étais à Paris, hein, j'ai 56 ans aujourd'hui, j'en avais 25. Et j'étais un peu tout seul dans mon petit appart et j'ai pris ma guitare, j'ai écrit des chansons et je suis allé les chanter dans les petits bistrots, chez Adèle, tout ça. À Paris à l'époque, puis je chantais un peu partout dans les rues. Comment définiriez-vous ce que vous faites et comment définiriez-vous qui vous êtes? Oh. Ce que je fais, eh bien, c'est tout simple, c'est chansons qui viennent du cœur. Je pense que je suis quelqu'un de libre. Quel est votre meilleur souvenir artistique? Je vais essayer d'être rapide. C'était à Cré devant 5000 personnes un jour. Je suis allé voir un concert de Bill de Rem, quelqu'un que j'aime beaucoup. Il se met à chanter Babylone, tu déconnes, Babylone. Et bien évidemment, j'étais devant, je connaissais, j'étais groupie à l'époque. Je connaissais ses chansons par cœur. Et tout à coup, Bill, un chat dans la gorge. Et moi, devant, ah, Babylone, Babylone. Il m'a pris par la main et il m'a fait monter sur scène. Et j'ai chanté toute la chanson tout seul avec ses musiciens. Voilà, ça c'est, j'oublierai jamais. J'étais acteur aussi, j'ai Godard, Tavernier, Lecomte, il y en a eu plein, des musiciens, ben Bill et puis tellement d'autres. Quelles sont vos sources d'inspiration? La vie, tout simplement. Comment travaillez-vous? D'abord le texte et ensuite la musique, ouais. Et tout seul. Alors c'est marrant parce que le texte, en fait, je sais pas, il mûrit à l'intérieur et puis tout à coup, ça sort, quoi. C'est une façon assez fulgurante. Parfois, j'ai mes 5 minutes pour écrire une chanson, mais elle est à l'intérieur depuis très longtemps. Quels sont vos envies, vos espoirs? Qu'est-ce qui vous révolte? Qu'est-ce qui vous séduit, vous amuse? Quelles sont mes envies, mes espoirs? Espérer que mes chansons font du bien aux gens. Qu'est-ce qui me révolte? Ce qui me révolte, c'est que certaines personnes abusent d'autres, notamment au niveau politique. Qu'est-ce qui vous séduit et qui vous amuse? Qu'est-ce qui me séduit? Ben, c'est les gens qui sont joyeux. Qu'est-ce qui m'amuse? C'est celui qui dit plein de mensonges et qui pensent qu'on ne s'en rend pas compte. Ça m'amuse beaucoup. Salut à tous.